Dans les années 80, la période du PRM. On donnait des services en fonction d'une cotation. Installer un soluté, ça donnait 30 points. Faire un lit, laver un malade. Chaque chose était minutée. Un monsieur à Montréal qui avait parti ça, là, c'est là, mais maintenant, c'est la méthode Toyota, mais ça ressemble à ça. Et il coupait du personnel parce que tel malade, il ne manque pas plus que tant. Mais installer un soluté à une personne âgée de 80 ans, qui a la peau comme du papier de soie, qui a les veines qui éclatent, juste à les regarder, ça ne prend pas le même temps que vous installez un soluté parce que vous vous êtes fracturé une jambe, donc vous n'êtes pas malade, puis vous avez des belles veines. Alors, mais tout avait été normalisé, il y avait des grilles à remplir. Alors, on a passé par toutes sortes d'appellations qui se sont traduites avec Bolduc, ancien ministre de la Santé, en méthode Toyota, et encore dans les établissements de santé actuellement. J'ai une nièce qui est travailleuse sociale dans un CSS. Et ils sont à implanter des grilles. Le temps que tu vas passer à domicile avec une personne que tu vas évaluer, qui est en trouble cognitif, qui a en plus des problèmes de santé physique, mais ça, il faut que ce soit fait en temps de temps.